Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Je vais saluer les chefs de famille. Amen. Ah. Mon nom, c'est prophète Crasso. Prophète. Un prophète, c'est un messager. C'est tout. La définition de prophète, celui qui porte un message de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis grand, mais je suis un messager de Dieu. Un prophète, il est un messager de Dieu. C'est les hommes courageux qui m'invitent. Parce que je mate la sorcellerie. Amen. La brigade pour ça, Nous sommes les brigadiers contre la sorcellerie. On ne cache pas pour nous. On leur décale la guerre pour les maths. Donc j'ai dit aux sorciers ce soir, vous êtes tous rematés. Chacun son travail. Mon travail que Dieu m'a donné, c'est pour mettre sorcier à terre. Amen. C'est mon travail. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à essayer. Mais je t'ai déjà averti. Amen. Je sais si qui je suis assis pour parler. Un sorcier ne peut pas détruire un véritable enfant de Dieu. Amen. Jamais. Donc je suis venu au nom de l'Éternel des armées. Amen. Arrachez votre destinée à Satan. Sur ça, j'ai dit, ce sont ceux qui sont courageux qui m'invitent. Vos babamelins, vous élevez ce dragon là. Il va partir. Amen. Voilà. Ils ne sont pas venus vous dire, moi je ne cache pas pour moi. Donc je vous dis, pourquoi je suis là? Amen. Je ne suis pas venu vous dire Jésus vous aime. C'est pour dire, sorcier, je suis venu contre toi. Ce n'est pas fait de dire Jésus t'aime. Lui-même sait que Jésus l'aime. Mais je suis venu contre là. C'est pour cela que je suis venu te saluer. C'est les gens qui sont courageux. Parce que moi je suis courageux. Au village là. Dans tout Lakota, c'est numéro 1 en sorcellerie. C'est ici qu'on élève le dragon. Je suis au courant avant de venir. Voilà donc, c'est des hommes courageux qui viennent dans vos villages. Moi, je suis venu leur mener la guerre. Et puis gagner. Parti. Amen. Quelqu'un, le diable est vaincu ce soir. Le diable est vaincu ce soir. Dans un gouvernement, il y a ministère de la sécurité et puis ministère de la défense. Non, un ministère de défense. Voilà.
C'est que les gens cajolent, jouaient ça. Nous, on ne joue pas ça. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tout à l'heure, je vais décortiquer ça. Je vais bien vous expliquer. Vous allez comprendre. Pourquoi il y a la mort? Qu'est-ce que les sorciers sont capables de faire? Comment les sorciers peuvent empêcher le développement? C'est la sorcellerie, le vieillissement. Vous ne touchez pas du doigt le problème. Moi, je vous dis, c'est la sorcellerie. Arrêtez d'embellir la chose. C'est ça. C'est pas autre chose, c'est la sorcellerie. Et quand on parle de sorcellerie, on parle de babamé. Ça empêche les gens de venir au village. Oui, à la sorcellerie, il n'y a pas de développement. C'est ce qui nous met en retard. J'aurais appris que le village était le premier village le plus moderne de Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est dernier aujourd'hui? À cause de la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. C'est ce qui met frein au développement de l'Afrique. Nous avons tout en Afrique. Nous avons un sous-sol très riche. Il y a le pétrole en Afrique, uranium, l'or. Nous avons tout. Mais l'Afrique est en retard à cause de la sorcellerie. La définition de sorcellerie veut dire celui qui lance un sort, celui qui détruit. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Celui qui dit les sorciers, pour lui, les bons, il ment. Tout sorcier est mauvais. Et il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcellerie. Or, quand il y a une sorcellerie dans une famille, il y a la sorcellerie grave, exagérée. Comme ce que vous vivez, les gens meurent en cascade. Et il y a des maladies qui restent, qu'on appelle les maladies incurables, pour paralyser la famille et pour détruire. C'est ce que vous vivez. Or, si vous restez silencieux, si rien n'est fait, ils prendront le dessus. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Si vous regardez la chose prendra le dessus. Or, la seule chose qui peut arrêter la sorcellerie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ils ont trop mangé. Ils sont venus leur dire la vérité. Pour ne plus qu'ils mangent. J'ai un temps pour toutes choses. La Bible dit, tout ce que nous lions, nous enfants de Dieu, tout sera lié. Amen. Si nous nous taisons, que nous restons dans nos coins, le diable prend le dessus, il va régner. Amen. Le diable a été vaincu par Christ. Nous sommes venus le mettre au pas, au sein de la famille. L'homme n'est pas fait pour être mangé. Dieu a créé des bœufs. S'il vient manger, il y a des moutons. Allez manger les moutons. Il y a des poulets, allez manger. Il y a poisson dans... Pourquoi vous mangez les êtres humains? Je vais vous expliquer pourquoi les sorciers mangent. Tout à l'heure, vous allez bien comprendre mon message. C'est ma spécialité. Moi, je suis fabriqué pour attraper sorcier et le mater. C'est mon travail. Vos amis élèvent les bonnes choses. Vous, c'est dragon, vous voyez pour élever. Vous êtes malade ou bien? C'est Baba Mela, vous avez vu pour élever ici. Vos amis élèvent des bœufs. Vos amis élèvent des moutons, vous c'est Baba Mlin. On le nourrit à le sang, on le nourrit à la chair humaine. Comment vous comprenez ça? Pour les Chinois, ils mangent banane douce. Ils mangent ce qu'on appelle poyo, là, ils mangent ça, les Chinois. Ils mangent orange, ils mangent des pommes. Nous, là, ça mange, viens de l'homme. C'est un truc comme ça, vous élevez. Vous trouvez ça normal? Vous prenez ça, ça fait les enfants, les petits-enfants. Parce que vous donnez à manger. Vous faites comme vous n'êtes pas dedans. On va connaître la vérité. Amen. Amen. Le mensonge va régner. Amen. Mais un jour, la vérité sortira au grand jour. Amen. Vous allez tomber un à un. Je suis venu vous faire tomber un à un. Je vous déclare la guerre. Et je vous confirme que nous aurons la victoire sur vous. Dans le nom de Jésus. Nous aurons la victoire sur vous. Dans le nom de Jésus. C'est ce que David a dit à Goliath. Tu viens contre moi, le javelot, tout ce que tu veux. Mais moi, je viens contre toi, au nom de l'éternel, des armées. Donnez ta tête aux oiseaux du ciel. C'est la fin du règne du diable au sein de cette famille. Ouais. Vous cachez la nuit pour aller manger. Vous avez tous les aéroports. Vous prenez 5-15 minutes, allez à Paris, allez aux États-Unis, 15 minutes. Air Zogolilier. Oh, les Air France. Les gens ont les Air France. Vous avez Air Zogolilier.
Mon Dieu. Vous voyagez. Vous allez à Paris, c'est 6 heures dans le vol. Vous prenez 15 minutes. Pourquoi vous ne donnez pas ce brevet-là, cette connaissance-là, Boeing? Vous n'êtes pas qu'on se fatigue. Mais ça ne sert qu'à vous seul. Vous êtes seul sur les baleines mystiques pour voyager. Vous êtes nuls là-dessus. Vous pensez que c'est ça dont l'Afrique a besoin? L'Afrique n'a plus besoin de ça. Nous sommes à l'ère du développement. On a besoin de développer nos familles. On a besoin de mettre les gens ensemble. C'est l'heure de marcher avec Dieu. On ne doit plus marcher avec diable. Nos parents marchaient avec diable. Ça a mis l'Afrique en état. Les missionnaires sont venus, nous ont prêché l'évangile. C'est à cause de l'évangile qu'il y a eu le développement un peu en Afrique. Mais on ne peut pas continuer dans le mal. Le mal ne peut pas faire prospérer une personne. Non, quand on commet le mal, il n'y a plus de prospérité. Et c'est ça le problème. Et nous sommes venus pour arrêter le mal. Nous avons ce pouvoir au nom de Jésus d'arrêter ça. Amen. Le diable, il sait. Il est convaincu, il sait très bien ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Jésus a vaincu le diable à la croix. C'est pour ça qu'il est chargé de chef de famille. On dit, mais tu es courageux. C'est maintenant qu'on commence à me scanner pour dire, ah, c'est un type qu'on a invité ici. Oui. Parce que j'ai brouillé tous vos radars pour ne pas vous pousser savoir qui était celui qui était en train de venir. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui parle de ça sans problème. Moi, je vous lance des filles. Je ne suis pas quelqu'un qui vous dit non. Moi, je veux qu'on m'essaye. Moi, je suis là pour qu'on m'essaye. Je ne suis pas venu pour jouer avec vous. Essayez-moi. Tu m'essayes, tu vas tomber. C'est la chose. Tu vas te convertir. Parce que si tu m'as essayé, si tu tombes, tu vas croire la puissance de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas venir dans mon cœur. Satan, c'est un menteur. C'est un sorcier ici. Amen. Amen. Mais regardez. Moi, je parle de ça sans problème. Je ne sais pas qu'on est pasteur, d'autres pasteurs qui ont peur de. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je cherche ça même. Moi, je cherche ça. Amen. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais qui est Jésus. Jésus avec lui, il faut quoi? Sauf si il ne me dit absolument rien. Je marche sur lui puis m'en vais. C'est tout. Si j'ai peur de Jésus et sorcier, c'est qu'il est minimique Jésus. C'est qu'il ne croit plus à Jésus. Il est dans ma vie. Il est pas en dehors de moi. Je suis venu dire à Satan, c'est fini pour lui. Amen. Ah, le Dieu dit Amen. Amen. On dit bien Amen. À mon seul sorcier va me faire tomber. Faites-moi tomber. Moi j'aime sorcellerie du village. C'est vrai, vrai sorcier. Sinon, à Abidjan, à Paris, c'est pas sorcier. C'est ici, là, on dit sorcellerie brute. Souvent, ils ne préparent pas, ils mangent l'homme cru. C'est ça, on dit sorcier. Voilà, donc quand je suis dans le village comme ça, je suis content. Parce que je suis en train de faire mon travail. Sinon, quand on est à Paris, à Lyon, on est à Bruxelles, on est à New York, c'est pas bon sorcier, on attrape là-bas. C'est sorcier d'ici. C'est pour ça que je veux les sorciers. Amen. Amen. Pour vous dire, on a peur qu'on n'a pas Jésus. Si vous avez la révélation de Christ, le diable vous dira rien. Rien seulement, rien. Parce que Satan a été vaincu à la croix. Jésus a donné de sa vie. Il a dit à la croix, la dernière parole de Jésus, tout est acquis et Christ. C'est pour ça qu'il est nargue. Vous êtes sorcier. On dit celui qui vous fatigue. Que votre totem est là. C'est la fin de vos règles. Je vous dis la vérité, 2018 là, vous n'allez pas arriver là-bas. Amen. Les choses vont changer de temps. Vous allez tomber, relevez-moi. La peur va changer de camp. Je suis venu vous effrayer. C'est vous qui effrayez les gens tous les jours, la nuit,
On est l'aide du développement. On doit se mettre ensemble pour développer nos régions. Laissez les enfants là à l'école au reçu. Ils vont développer le village. J'ai béni ce soir. Moi, filet de sorcier, ça ne me prend pas. Si tu as jeté filet, toi-même, tu tombes dans ton filet, puis j'étais mat. Amen. Si tu as lancé flèche, ça va retourner contre toi, puis je t'enterre pour partir. Amen. Tu vas comprendre qu'il y a force, puis il y a puissance. Amen. Moi, il y a la puissance de Dieu. Amen. Ah oui. J'ai la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu donne cette force. Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. On joue pas à la puissance. Quand tu as la puissance, il faut dire à ton ami que tu as ça. Amen. C'est à cause de ça qu'on a peur d'eux. Et il dit qu'ils ont force. C'est pour ça que les gens ont peur. Et je vous informe que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en vous. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on a le pouvoir sur le diable. Je suis venu chasser cette peur de mon cœur. Le diable vous fait croire qu'il est fort, il est sorcier. Il est sorcier, tu n'as pas pris le plateau pour envoyer à Zogolier. Il n'a pas pris tout Paris pour envoyer ici. Comme ça, on peut le respecter un peu. Il est sorcier comment? Manger hors tête de l'homme, c'est ça la vie sorcier. Parce que tu as envie de manger. Tu manges, tu es bizarre. Regardez comment les sorciers finissent. Ils finissent très mal. Depuis d'ailleurs, avant de mourir, ils parlent. N'est-ce pas? Ils font des aveux. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train de leur annoncer qui est devant eux. Amen. Ah, moi, c'est comme ça. Je te dis ce que j'ai voulu faire. Maintenant, si tu n'es pas content, montre-moi qui tu es. On va s'affronter. Moi, je ne dis pas aux gens, je ne suis pas le pasteur qui dit il y a un sorcier. Je sais qui est sorcier. Je sais. On est là jusqu'à là, peut-être. Au matin, voilà. Non, on est prêts. On est trop prêts. Parce qu'il y a trop de manger, il parle seulement. Où est sorcier? Je suis venu à connaître vous. Elle, c'est un génocide qu'elle a fait. Elle a été martée au lendemain. Il faut qu'on vous respecte. Chacun est né avec une destinée. Chacun est né avec une étoile. Eux, ils sont là pour éteindre les étoiles. C'est pour ça que ce n'est pas normal. Personne n'est né par accident. Chacun a une étoile. Et ils arrivent à éteindre ça. Ils vont croire que non, les petits films, la drogue, oh, ils sont la base de ça. Amen. Ils sont la base.
chrétien. Et puis tu es ça. On n'a pas chanté à moi aussi, on chante à moi. Tu comprends? Lève-toi, danse. Quand vous allez voir Zoro est sur votre montre, ça commence à porter la date de demain. En temps normal, nous sommes en train d'aborder la journée de demain. Mais ça commence par Zoro 1. C'est une action qui doit se produire dans cette famille. Nous allons chasser les moments de ténèbres et nous allons accéder maintenant à la lumière de la famille. Sauf ça, cette heure, elle est beaucoup stratégique. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lever les mains. Et nous allons invoquer le nom de notre Dieu. J'ai toujours dit aux gens, notre Dieu là c'est Jésus. Je ne sais pas comment qu'on vous explique. Il n'y a pas Jésus là-bas, puis il n'y a pas l'Éternel en bas. Il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Les gens pensent que Jésus est à part et l'Éternel à part. L'Éternel, celui qui est Jésus. Vous ne connaissez pas ça? C'est ça la divinité de Dieu.
Notre Dieu, c'est Jésus. Nous allons l'invoquer. Sur ça, il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est des moments de détresse. Il est 01. Nous allons dire au Seigneur, stop à la sorcellerie. Mets fin à ce qui est en train de se vivre au sein de cette famille. Il y a tellement de mentalités dans cette famille. Nous sommes conscients que c'est la sorcellerie. Nous sommes convaincus que ce sont les œuvres du diable. Nous t'invoquons, le Dieu grand et puissant, viens et agis. Je vais te voir prier, pas dans ton cœur. Ton cœur n'est pas fait pour prier. Ton cœur est fait pour circuler le sang. Ta bouche doit prier. Amen. Il y a des gens qui veulent prier dans le cœur. Tu vas crise cardiaque. Faut arrêter de prier dans ton cœur. C'est pas bon. Faut ouvrir la bouche. Invoquer Dieu, c'est crier. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est parler, pas prier dans ton cœur. Nous allons lever la main et nous allons prier. Je vois tout le monde prier. Prions. Faut ouvrir la bouche, c'est ce que je vais dire. Dieu comprend Dida. Dieu comprend Dida. Nous voulons le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Nous invoquons ton Saint-Nom. Viens dans ta souveraineté. Mets fin aux œuvres de la sorcellerie, aux sein de cette famille. Nous t'invoquons ce soir, cette nuit. Viens, notre Dieu, et agis puissamment. Seigneur, viens et interviens puissamment. Viens et interviens puissamment. Viens. Madame Mao, Madame Mao, Madame Christo, Alléluia. Amen. Madame Mao, Alléluia. Madame Mao, Alléluia. Amen. Madame Mao, Madame Mao, Madame Yeso. Amen. Madame Mao, Madame Mao, Madame Yeso. Mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te remercie. Bienvenue, je te remercie. Je te remercie. Je te dis merci. Mon Dieu, je te remercie. Je te remercie. Je te dis merci. Alléluia. Pour cette rencontre, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de bénir ce moment très important. Au nom de Jésus que je prie, amen. Veuillez vous asseoir, amen. Veuillez vous asseoir. Ce moment est maintenant très important. On va commencer à vous parler
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on a compris. Compris de la parole de Dieu. C'est ce qui produit de la foi. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis à quelqu'un. Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Qui aime le Seigneur? Amen. Celui qui aime le Seigneur va vouloir bien l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce combat, celui que nous mettons devant, c'est le Seigneur. Et le Seigneur Jésus n'exauce que la foi. Et ce qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Il faut écouter ce que je vais te dire. Ça va beaucoup t'aider. Donne-lui la parole de Dieu. Amen. Nous prenons dans deux rois, la parole de Dieu, à partir du verset 19 et le verset 22. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans ce village. Écoutez bien l'histoire, écoutez bien la parole de Dieu. Deux rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville. Voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dis Amen. Ce dont le diable a besoin ce soir, c'est la parole. Dis à quelqu'un, le diable a besoin d'une parole. Dis à quelqu'un, le diable a besoin d'une parole. Alléluia. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. La parole est une puissance créatrice. Dieu a utilisé la parole. Il dit que la lumière est la lumière. C'est tout. Et la Bible nous compare des petits dieux. La Bible dit, nous sommes des petits dieux. Parce qu'il habite en nous. Ce dont le diable attend ce soir, c'est une parole. Il n'a pas encore attendu ça. C'est ce qu'il en a prononcé ce soir. Dis Amen. Amen. Selon cette histoire, il s'agit du prophète Élisée. Et quand on dit Élisée, la définition d'Élisée veut dire le Dieu de mon salut. Or, Élisée est le fils spirituel du prophète de feu, qu'on appelle Élie le Tishbite. Élie veut dire Dieu. Elle, c'est Dieu. C'est le prophète. Il y en a deux personnes dans la Bible qui n'ont pas connu de mort physique. Enoch et Élie. Élie est emporté dans un char de feu. Élisée était à l'école de prophète. Il apprenait près d'Élie. C'est un homme de miracle. C'est ce Élie-là qui a lancé un défi au prophète de Baal. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le Dieu qui sera adoré en Israël. Les prophètes de Baal savaient bien qu'il y avait des miracles avec Baal. Mais Baal ne répond pas à la prière. C'est ça la différence. Il peut faire un semblant de miracle, mais celui qui exauce les prières, c'est l'Éternel. Ça a été démontré A plus B. Ils ont crié vers Baal. Baal n'a pas répondu. Quand Élie invoquait, le feu est descendu. C'est pour ça qu'on chante. Élie a crié. Nous, on ne chante pas ça. On n'est plus habitué à ça. Nous, on chante la Gozia, Siliwa. Nous chantons. Vous allez voir que nous, nos chansons, là, c'est dans nos langues. On n'est pas trop dans le fait des Français. Amen. Le feu est descendu, a consumé le corse. Ils ont vu A plus B. Frère. Si ton Dieu ne t'exauce pas, il faut essayer de savoir est-ce que tu es sur le bon chemin. Hein? Amen. J'ai toujours dit aux gens, si Jésus n'opérait pas de miracles, je ne serais pas chrétien. Je me suis converti quand Jésus m'a guéri d'une maladie mystique. J'étais mystiquement atteint, frappé par la sorcellerie. C'est quand j'ai rencontré Jésus qui m'a guéri. C'est ce qui m'a amené à l'église. Je suis né dans une famille musulmane. C'est un miracle de Jésus qui m'a conduit à l'église.
On ne m'a pas prêché Jésus, Jean 3, le verset 16, Dieu a aimé le monde, qui a aimé le... Je ne vais jamais aller à l'église à ça. Je suis désolé. J'étais musulman, fils de musulman. Maman est peu malienne. C'est quand j'ai été frappé d'une maladie mystique en France. Malade. Mes poumons étaient atteints. Je vomissais du sang. Sous forme de tuberculose, on ne trouvait pas la maladie. C'est quand je suis rentré à l'église que Jésus m'a guéri. C'est là que je suis devenu chrétien. Je ne suis pas allé à l'église parce que j'aimais Jésus. Je suis allé à l'église parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de sorcellerie. Et Jésus a donné gain de cause à ma solution. Il m'a guéri. Donc aujourd'hui, j'ai compris que c'est lui qui exauce. Donc Élie le Tishbite, il était convaincu que c'est son Dieu qui exauçait les prières. Est-ce que ton Dieu exauce les prières? C'est parce que je suis convaincu que mon Dieu est le Dieu d'Élie que je suis là. Je suis convaincu que le Dieu que j'ai pris, c'est le Dieu. C'est pour cela que je suis là. Pour vous aider dans la prière. Parce que trop, c'est trop. Vous avez trop pleuré. Il s'agit maintenant d'une main divine. Une intervention divine. Il faut un homme fort, un puissant Dieu dans ce combat. Et je suis convaincu que le Dieu d'Élie nous viendra au secours. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis là. Il a dit à Élisée, parce qu'Élisée enviait, il aimait l'onction qui était sur son père spirituel. J'ai dit aux gens, s'il n'y a pas de miracle dans une église, moi s'il n'y avait pas de miracle, je n'allais pas partir à l'église. Dieu est un Dieu de miracle. Que vous voulez ou pas, on suit Dieu à cause de miracle. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Le salut est un miracle. Le salut est un miracle. C'est converti est un miracle. Ce n'est pas n'importe qui Dieu sauve. Dieu fait miracle. C'est pour ça que la naissance de Jésus est une naissance miraculeuse. La femme Marie n'a pas connu d'homme. Et puis qu'on soit bébé dans le ventre, c'est un miracle. Ça dépasse la compréhension des êtres humains. Donc s'il n'y a pas miracle, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas parole. Vous avez besoin de miracle. Il faut que les choses s'arrêtent. Si ça ne s'arrête pas, la famille sera décimée. C'est-à-dire, on ne va plus voir quelqu'un. Chaque jour, sorcier mange. Donc, Élisée suivait son maître. Il voyait le miracle. Il dit non. Il faut que ce qui est sur toi là. Comme tu dis, tu vas partir. Pardon. Il faut que ça descende sur moi. Amen. Parce que c'est trop merveilleux. C'est pour ça qu'il a dit au sorcier. Depuis la chambre de parler, il a parlé là, il n'y a pas de sorciers. Ils sont cachés. Mais le village est sur un bagou. Vous dites même pas même. Amen. Ou bien chez vous aussi, vous avez peur de vous. Avez peur. Non, moi, ils ne me disent rien. C'est des petits mangeurs d'orteils. Ils ne me disent rien. Je suis désolé. Ils ne me disent rien. Amen. Amen. Quand tu as Dieu, le sorcier te dit rien. Ils sont là, puis ils chantent de bagou. Vous ne me dites rien. Amen. Faut essayer, petit, tu vas rendre témoignage. Ton témoignage sera paqué tout de suite. Tu vas rendre témoignage. Vos babamelés, vos amis élèvent les bœufs, puis on mange bien le content poulet. Pourquoi vous élevez à des bêtes qui boissent comme du vin? Une bête qui mange viande. C'est ça que vous envoyez dans une famille? Vous trouvez ça normal? Comme ça, vous allez toujours en nourrir? On va s'attraper tout à l'heure. J'ai fini mon message. Hein? Comment c'est parlé? Ok, donc Élisée, il faut que l'onction. Et dit à son maître, Élie, je veux l'onction que c'est ta vie. Ah, c'est difficile. Hein? C'est le jour où tu me verras monter dans le champ de feu que tu recevras l'onction. En un mot, dit à son fils spirituel, ne sois pas distrait. Donc, ce message-là est à la portée de tout le monde. Ceux qui veulent être dans le ministère, la distraction n'est pas bon pour un ministère. Il faut toujours être un homme très lucide pour le ministère. Effectivement, il a vu son maître partir et le manteau est tombé. Donc là, il a reçu la double portion qui était effectivement sur la puissance, qui était ses lits. Il a pris le manteau, il a fondu le Jourdain, il est parti. Il est rentré
n'est-ce pas, à Jéricho, dans cette ville-là, il allait méditer sur son ministère. Comment démarrer son ministère? Et ça, c'est vraiment important. Il était dans la présence des yeux de Dieu. Quand les gens constataient que, ah, dans cette ville, il y a un prophète. Ah, le prophète, vous voyez, il a la clé des solutions. Le prophète est différent des pasteurs. C'est la vérité. Amen. Regardez la vérité. Le pasteur, lui, négocie. Le prophète, lui, négocie pas. Il règle le problème. C'est la vérité. Je vais vous expliquer un peu. Donc, ils sont convaincus qu'en allant voir ce temple de Dieu-là, le problème va se régler. Ils sont allés le voir. S'ils ne vous levez pas, Élisée était dans la ville. Il a fait le même constat, mais il s'en est dit, ce n'est pas sa ville. Si vous vivez une situation que vous ne vous levez pas, ça dit rien au Seigneur. Quand tu ne parles pas, c'est que ça te plaît. Le jour où tu seras plus content de la situation, tu vas crier. Dieu dit à Abraham, voici la prophétie. Ton peuple qui va sortir de toi, tu n'as pas encore eu d'enfant. Ton nom c'est Abraham, père d'une multitude d'enfants. Mais il arrivera un jour où ton peuple sera pendant 400 ans en Égypte. Ils sont esclaves. Et après les 400 ans, ils reviendront sur ce territoire qu'on appelle Canaan. Il avait déjà reçu cette révélation. Ils ont dit 400 ans. Effectivement, le peuple allait déporter en Égypte. Joseph, vous connaissez l'histoire, ils sont restés comme esclaves en Égypte. Mais quand vous regardez l'histoire, c'est 400, il y a eu 30 années. Est-ce que c'est parce que Dieu a menti? Non. Mais quand vous écoutez Dieu parler, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moïse va délivrer mon peuple. Si vous restez, que vous ne criez pas, Dieu ne fera rien. Amen. Amen. Vous savez ce qu'on appelle prier? Ça dit, ça intéresse tout le monde. Ça devient une affaire de tout le monde. Et puis, on se met ensemble. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème collectif. On s'est dit, mais la famille, tout le monde fait le même constat. Et on s'est dit, mais la famille a un problème. On regarde. Au lieu d'avancer, on régresse. En réalité, la famille est propulseur du développement. Pourquoi les derniers? Pourquoi? La vie est faite de ça qu'on doit aller de l'avant. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit prospérer. Amen. Pourquoi on ne prospère pas? Pourquoi c'est nous les malheurs arrivent? Pourquoi? Allons-y à la montagne. Parce que la solution se trouve à la montagne de Dieu. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Si vous ne priez pas, Dieu ne fera rien pour vous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Je suis désolé. Je suis désolé. Et ils sont allés voir Élisée. C'est là qu'Élisée a pris le sujet en main. Tout le village, ils ont constaté que dans le village, l'eau que les gens buvaient donnait la maladie. Tout ce qu'on plantait dans le village n'arrivait pas à produire. Tout s'est gâté. Tout est bizarre. C'est comme ça dans ce village. Ils ont détruit l'intelligence des enfants. Ils ont détruit son sorcellerie. Et quand il y a le dragon, c'est ce travail-là qu'il fait. La sorcellerie au sein de ce village et de leur famille en train d'agir. Et nous regardons. Et les choses progressent, les choses prospèrent. Le diable n'est pas inquiété. Ils sont allés voir Élisée. C'est quand ils ont vu Élisée, ça veut dire Dieu de mon salut, que Dieu a pris le dossier en main. Élisée allait, il dit, donnez-moi un plateau neuf et mettez-y du sel. C'est une action, ce qu'on appelle action prophétique. Et la Bible dit, il allait vers la source des eaux. C'est ceci la source. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché à prier à Abidjan. On n'a pas cherché à prier à San Pedro. On n'a pas cherché à prier quelque part où il y avait à Bergerville. Nous sommes venus à la source. C'est ici. C'est ici la source. Quand quelque chose doit se gâter, un poisson, c'est la tête qui se gâte d'abord. C'est ici. Si ici est réparé, tout le monde aura cette onction. Amen.
bénéficiera de cette onction. C'est ça que nous, la source nous intéresse. Qu'est-ce qui a été caché ici pour que le malheur puisse atteindre tout le monde? Donc Élisée, lui, il va, il cible la source des eaux. Il dit, c'est là d'où provient le malheur. Or, il n'a pas allé plaider. Regardez la parole d'Élisée. Quand vous lisez, il n'a pas négocié. Il dit, à compter d'aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux. Amen. Amen. J'ai dit, ce soir dont le diable a besoin d'une parole. C'est tout. On ne négocie pas à lui. Non. Le diable n'a rien. C'est un usurpateur, un vaurien, voleur. Ce dont il a besoin, c'est de dégager. Ce territoire ne l'appartient plus. C'est fini. Parce que désormais, le Seigneur, n'est-ce pas, prend le dossier à main. Il a besoin, le diable, d'attendre une parole. Quand on le chasse. C'est ça que Jésus, la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. S'ils ne sont pas chassés, ils vont continuer à agir. Et quand Élisée a posé l'action, on dit jusqu'à aujourd'hui, le problème s'est réglé selon la parole d'Élisée qu'il avait prononcée. Selon la parole d'Élisée. Il faut une parole. Le problème qui se vit, c'est un problème de la sorcellerie. Or, la sorcellerie, peut-être que beaucoup de personnes, ils entendent parler, ils voient ça, mais c'est dangereux. C'est plus grave que le cancer. C'est plus grave que tout ça. C'est un sujet que nous devons prendre au sérieux. Là où il y a la sorcellerie, les gens meurent en cascade. Pourquoi? Je vous explique un peu. Moi, c'est ma spécialité. L'audia, c'est sorcier qui chasse sorcier. Sorcier ne va jamais chercher sorcier. Un bandit ne peut pas aller chasser son camarade bandit. C'est une erreur. Sinon, Jésus n'allait pas aller chasser les démons. C'est parce qu'on n'est pas démon qu'on chasse les démons. Il dit à mon nom, chasser les démons. Non. La sorcellerie, c'est un esprit démoniaque qui habite des personnes. Ceux qui ont Jésus-Christ, ils ont un esprit saint en eux. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont un esprit mauvais. Donc, esprit de la sorcellerie, l'esprit du mal. Tout ce qui est dans leur tête, c'est de détruire les gens. C'est tout. Ils sont malades. Ils ont cette maladie. Il y a deux formes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie consciente. C'est-à-dire, toi-même, tu décides d'être sorcier. Donc, tu t'adonnes au cultisme, tel que la rose croix. Toi-même, tu vas là-bas. Tu dis, moi, aujourd'hui, je vais être rosicrucien. Moi, je leur ai dit, vous êtes sorcier. Parce que ce qu'ils font, on ne sait pas. Nous qui sommes d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Or, quand on parle de mysticisme, c'est qu'il y a le diable derrière. La Bible, c'est la lumière. Rien n'est caché. Nous, on ne cache rien. Or, pour eux, il y a premier loge, deuxième loge. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas entre les 4000. On ne sait pas. Tu conseilles la franc-maçonnerie, il y a loge, on ne sait pas. Donc, eux, volontairement, ils décident. Et quand ils sont là-bas, ils font les voyages astral. C'est même comme la sorcellerie. Ils voyagent en esprit. C'est la sorcellerie. Au départ, ils vont te dire non, mais c'est sorcellerie. Sortir du corps, avoir la pensée, penser mal de quelqu'un, puis il meurt. C'est la sorcellerie. C'est la même chose. C'est passé pour nous là, ils prennent, et puis ils ne braisent même pas, ils mangent ça frais. Cela, c'est la même chose. Peut-être qu'eux, ils font le barbecue. Barbecue un peu dans le temps de faire petite sauce tomate. Mais que tu es de nous, et trois piments dedans. Ils mangent. Avec Akitia Bodjama de Baoulé. Dozo, vous les voyez ici, à la guerre. C'est une forme de sorcellerie. On dit initiation. On t'initie à quoi? Pour devenir quoi? Non, comme ça. Et personne ne voit leur initiation. C'est de la sorcellerie. Le commun, le fétichisme. Les fétichistes, c'est qu'ils font derrière leur sale drap noir. Personne ne sait. Comment toi tes garçons, tu vas laver femme de quelqu'un. Bout d'eux. Elle est nue, tu la laves. Tu es malade ou bien? C'est grave, hein? L'ignorance. Et tout ce qui est là-bas, c'est caché, personne. C'est une forme de sorcellerie.
Il y a des gens qui décident d'être féticheurs. C'est de la sorcellerie. Conscient. C'est-à-dire consciemment, tu vas être sorcier. Ok. Maintenant, il y a une autre forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, on ne te demande pas ton avis. Le monsieur décide de t'initier. Et puis, il vient la nuit. Il appelle ton âme. Et puis, tu te retrouves dans un endroit et tu as l'impression qu'il t'en vient de manger les gens. Et puis, on te dit, ah, ce que tu as mangé, la foi rembourser. Tu dis quoi? Elle dit, mais c'est la viande. Tu te débats, tu es bien dedans. Tu dois pas demander ton avis. C'est ça. Beaucoup d'enfants sont de la sorcellerie. Vous voyez, les enfants dansent. Tchiki. Oh, c'est les petites sorcières. La nuit, elles s'envolent. Comme bonbons dans le village. Plein danser. Les enfants sont pour ici. C'est le problème ici. Donc, on vous donne la sorcellerie. Et quand tu inities à la sorcellerie, ta première action, c'est d'aller tuer. Celui qui dit les sorciers n'a jamais tué, il ment. Parce que c'est quand tu tues que tu as droit à la parole dans la sorcellerie. Sinon, tu ne parles pas. Et c'est une société secrète. Tout ce que vous avez là-bas, personne ne doit dire un mot. C'est pour ça que le sorcier ment. Il peut te dire, je suis sorcier, mais je n'ai rien fait. Parce qu'il ne doit pas dire. Il ne doit pas dire. Or, même si on ne l'a pas attrapé, tôt ou tard, ça sort. Avant de mourir, il fait des aveux. Vous allez manquer ça dans le village ici. Quelqu'un est sorcier, avant de mourir, il parle. Parce qu'on ne cache pas. Ça sort toujours. Il va parler. C'est pour ça que pour les délivrer, il faut qu'ils parlent. C'est le secret. Ça brise le pacte. C'est un pacte. Ce que tu vois ici, tu ne dois pas parler. Ok. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. C'est des menteurs. Pour les attraper, ils ne diront jamais ce qu'ils ont fait là-bas. Parce que s'ils disent, c'est fini. Sa vie est menacée. Or, un sorcier qui vient d'être initié, il va donner une personne par mois. Est-ce que vous me saisissez un peu? Voici un peu le danger. Ça dit par mois, une personne. Donc, sur 12 mois qui fait une année, tu donnes 12 personnes. Ah, merci d'avoir cette information ce soir. Ça dit, on parle de quelque chose, ou même tu parles de quelque chose dont tu ne connais pas. C'est ça le danger. Et quand tu finis cette étape, il y a trois étapes. Il y a la deuxième étape. Cette deuxième étape te permet d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire de sortir le pouvoir intercontinental. Tu peux maintenant voyager en dehors de l'Afrique. Or, celui qui est au deuxième degré de la sorcellerie, il peut même quitter sa famille, aller manger ailleurs. Lui, ce pouvoir-là, il boit ça. Quand il commence, vous allez voir qu'il y a pour une anémie dans la famille, pour une anémie, les femmes ont des fœtus, les vôtres tombent. Il y a un gars qui a commencé à avoir deuxième niveau de sorcellerie. Il s'alimente. Il peut sortir de son corps à Paris. Il peut sortir. Et par semaine, il tue une personne par semaine, cette fois-ci. Ah oui, c'est pour ça que c'est un danger. Il faut qu'on en parle. Il peut vous transmettre des maladies. Ce monsieur-là, même son urine, c'est un danger. Quand il va chez toi, la chasse doit être bas. Il fait caca, on appelle ça gounini. Vous voyez ça? Quand il veut gâter une maison qui est en construction, c'est leur gounini là. Il va chier. C'est pas vrai caca, hein? C'est caca de sorcellerie pour fermer la maison. Son urine. Or, le vrai sorcier, vous savez qu'il est hypocrite. Il te fait semblant qu'il est gentil. Oh, c'est ton totem qui est là. Ton Dieu qui est là, là. Oh, je suis dedans. C'est pour ça qu'avant de parler, il faut savoir à qui tu parles. Avant de donner un secret, il faut savoir à qui tu parles. Quand vous partez dormir, chacun dans son coin, tu ne sais pas où lui ça va. Amen. Amen. C'est des grands menteurs. Ils ont la lampe pendante. Ils aiment mettre les gens en palabre. Beaucoup mettent les gens en palabre. C'est les gens, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ne savent pas dire merci. Tu n'as toujours rien fait. Si tu remarques ça, c'est ton sorcier que tu as vu là. Amen. Tu m'as fait quoi? Petit truc, mais petit truc, ça t'a été un jour.
Ça t'a aidé. L'ingratitude, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont, eux, s'ils ont bien le droit de prendre, ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Tout ce que tu as fait pour lui, tu as construit une maison. À quoi de manger, il va te prendre. Viens te manger. Bon sauce, tikliti, sogrette, tikliti, t'es meilleur, placali. Un tikliti. Vous connaissez ça ici, non? Trop doux, hein? Bien manger. Il est là, il rentre, il a déjà bu ton sang comme du vin. Et matin, tu vas à l'hôpital, on ne peut pas te soigner. Une maladie qu'on ne peut pas soigner. On ne sait pas où c'est quitté. Tu vas, et sans cette occasion, il n'y a pas d'argent. Ou il provoque un accident, et puis tu meurs pour ne pas qu'on l'accuse. La sorcellerie. Si vous rêvez, dans vos rêves, vous constatez qu'un bœuf vous a coigné, cherchez un pasteur pour aller faire vos délivrances. Parce que vous avez fait un accident. Le signe. Si vous rêvez qu'un bœuf vous a coigné en rêve, c'est un signe. Vous dites que la sorcellerie, là, ta mort sera là à par accident. Vous allez me demander, tu détends l'information d'où? Parce que je les attrape, ils me disent. C'est comme ça. Je les attrape, ils me disent tout. Moi, j'ai besoin des informations. Comment ils opèrent pour mettre au grand jour? Quand un chien te mord, arrête. Tu vas mourir d'une maladie. Quand on t'a tiré sur toi, wow, tu es tombé. Tu ne vas pas mourir de maladie. Tu vas aller dormir et tu vas rester en rêve. C'est des signes que je suis en train de vous partager. Parce que dans Dieu parle au travers des rêves. C'est des messages. Quand ils sont dans une famille, ils gâtent la famille. C'est pour ça que c'est dangereux. Ils sont contre les étoiles. Quelqu'un qui est bien, le sorcier n'aime pas ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, personne n'est né par accident. Ça n'existe pas. Non, 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 Dieu n'a pas créé quelqu'un comme ça. Non, 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 non. Dieu n'est pas malade. Non. Tout le monde a une étoile. Justement, c'est la raison pour laquelle le sorcier vous attaque à cause de votre étoile. Et quand il y a la sorcier dans une famille, vous sentez déjà la maladie et les choses bizarres. Amen. Ils ont cette possibilité, cette capacité de détruire votre mariage. Ils ont cette capacité de vous faire sortir de l'école. Ce pouvoir-là, il peut vous enlever. Il peut même détruire même tes finances. Tu as des diplômes, tu ne travailles pas. Tu as l'argent, ça ne te profite pas. Ils ont ce pouvoir-là. Détruire, ils appauvrissent la famille. Ce serait que ce n'est pas bon, la sorcellerie. C'est quelque chose à combattre. Or, le nouveau 3, quand il atteint le nouveau 3, il a cette capacité d'aller manger avec la sirène des eaux qu'on appelle Mommy Water. Il peut rentrer dans l'eau. La sirène des eaux, il peut parler avec Satan. Lui peut renverser un avion. Il a ce pouvoir. Donc, il devient un sorcier qui a le pouvoir régional. C'est-à-dire, il est à Lakota, il gère Lakota. Ils sont très organisés. C'est pour ça que quand vous allez sentir dans une région, dans un canton, quand un instituteur meurt, l'autre village, un instituteur va mourir, ils vont mourir comme ça. Quand un policier meurt, vous allez voir que les policiers ont commencé à mourir, le corps à pied. C'est comme ça. Ils sont très organisés. Chaque année, ils ont des programmes. C'est comme ça. Et leur système, c'est à partir de octobre, novembre et décembre, qui commence à préparer la nouvelle année. Amen. Donc la sorcellerie, c'est un mal. C'est très dangereux. Tant que ce mal n'est pas combattu dans une famille, jamais de prospérité. Vous allez sentir la mort en cascade. Le sorcier te mange et puis il fait croire que Dieu, abat la go, oh c'est lui. J'ai entendu te manger. Qui t'a tué? Ils sont très hypocrites. C'est les hommes sont sans cœur. La pitié n'existe pas chez eux. C'est comme ça, c'est leur règle.
il n'y a pas de compassion. Quand tu dis pardon, c'est là même il veut te manger. Ta chair là devient comme pour mouton, c'est tendre. C'est quand tu es têtu, ta chair devient comme éléphant. Quand tu dis pardon, c'est là il veut te manger. Quand tu as bon travail, ta chair c'est comme pour poulet. Quand tu es paysan, c'est comme éléphant. Il va te préparer une semaine, lui ça l'aide. Ça l'intéresse pas. Il veut savoir ce qu'il va faire 30 minutes à manger. Et ils vivent de la chair humaine. Je vous explique. L'homme a une âme, un esprit et puis un corps. Or, le sorcier l'appelle mangeur d'âme. Ok. Or, dans Lévitique, on dit l'âme se trouve dans le sang. C'est la partie vitale, le sang. Ok. C'est de ça qu'il s'alimente. Quand il boit, mange ça, il a la vie. On a l'impression que les sorciers durent. C'est ça qui leur donne ça, l'énergie. Parce qu'ils récupèrent ça en cette personne qui vient de manger. Or, quand il y a la sorcellerie, c'est tout ça. Cette misère. Il n'y a pas d'avancée. Et là où il y a la sorcellerie, il va toujours avoir un mur de méfiance. Les gens ont peur. Personne ne veut aller au village. Pour ça, nous, ça nous intéresse de venir au village. Que vous voulez ou pas, ici chez vous. Vous êtes un peu appelé à venir. S'il y a la sorcellerie, il faut qu'on combatte la sorcellerie. Parce que c'est ici. Les enfants viennent de venir au village. Mais s'il y a la sorcellerie, ils ont peur de venir. Nous sommes ici à cause d'un problème spirituel. Et le problème dont vit la famille, c'est un problème de sorcellerie. C'est le chef de famille, non? Ton problème, là, c'est la sorcellerie. Vous pouvez le donner le micro. On va bien parler à lui. Donnez le micro. Monsieur Maréchal. Seulement. Quand on a un projet qu'on veut vraiment réaliser, ça passe pas. À son avis, qui fait ça? Non, mais mon Nawazaï, non, c'est ça. On a même nommé ça. Non, laissez-le parler. Il sait. Il sait. Il sait. Mais peut-être qu'il ne veut pas dire. Il veut que ça sorte de ma bouche. Sinon, lui, là, au village, ici, moi, je suis au village, je suis en ville, il sait. Il sait ce qui se passe à la société. Lui, il sait. Il sait. Il sait. S'il ne savait pas, il pourrait trouver une solution à ça. Mais il sait que le problème est spirituel. C'est pour ça qu'on invite un homme de Dieu. Il ne veut pas toucher le problème. Sinon, il sait que le problème dont vit la famille est spirituel. Le problème, c'est la sorcellerie. Il faut l'expliquer. C'est ça. Moi, je n'ai pas peur de dire. Quand c'est un chien, dis que c'est chien. Il faut lui dire. C'est ça. Demande-lui, il n'y a pas de sorcier au village? On a mais c'est une même le tour. Ils sont ici, ils sont présents. Tu ne sais pas qui est associé. Faut demander si est-ce qu'il croit que la société existe. Faut demander. On a mis ça, moi et le groupe, c'est qu'il y a vous. Hein? Sorcier fait quoi? Ah mais c'est bon. Ah oui, faut que. Non, faut que. Je... Il faut qu'on ait la même la compréhension du sujet. Je ne suis pas en train de harceler des questions. Hein, parce que là, il faut qu'on s'entende sur un point pour travailler. Je ne sais pas, de toute façon, je comprends la sorcellerie. C'est pas comme ça. Peut-être qu'il ne comprend pas ça comme ça. Parce que si. Voilà, sinon, je ne suis pas en train de l'accabler le sujet. Non, non. Il faut qu'on comprenne, nous deux. Je vois si on a la même manière de voir le sujet. Comme il dit, croit que la sorcellerie existe, sorcier fait quoi chez lui?
sorcier prend machette, va aller au champ, travailler bien. Son travail là, c'est quoi? Il sait qu'il y a la société. Mais ce que la société, le sorcier fait, c'est tout ce qui est mauvais qu'il fait. Mais il n'a qu'à ignorer. On a ce qu'on appelle la paix. Vous avez peur de tu m'as envoyé t'aider, non? Ok, donc je veux savoir si on voit de la même manière celui que je vois là, ce qu'il fait là. Si tu vois ça comme ça, on va plier. On a ce qui nous a. Au moins, le pas unique après ça. Il s'est passé qui nous a. Ils sont au moins nés. Il s'est passé qui nous a. Il s'est passé qui nous a. Il s'est passé qui nous a. Il s'est passé qui ce que le sorcier fait, c'est que. Ce que le sorcier fait, c'est des mauvaises choses qu'il fait. Peut-être que tu ne traduis pas ça bien. Non! Tu sais, je veux qu'il comprenne, je ne sais pas s'il comprend de la même manière que moi. Mais celui maintenant qui va me donner l'autorisation de chasser ça. Parce que si on voit de la même manière, parce qu'on dit pour que deux personnes marchent ensemble doivent s'entendre. Et la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent, ils demandent une chose, elle leur sera accordée. Amen. Donc je demande pour voir si nous voyons de la même manière le sorcier. Tu vois, non? Parce que quand je dis faire les mauvaises choses, pour moi ça ne veut rien dire. Mauvaise chose, ça veut dire quoi? Il fait quoi et quoi et quoi? Comme ça, moi, je vais bien l'expliquer, il va comprendre. On a ce qui nous traverse. Je vais t'expliquer. Je suis docteur. Docteur. Quand tu vas voir le docteur, là, il va te dire, tu as quoi? Il n'y a pas lui. Ça fait comment? Mot de terre, j'ai chaud. Ah oui, c'est pas lui. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends tout ce qu'il dit? On a l'état de tes yeux, nous avons un bon moment. Et les bras, on est là. On est pas doué et son nez. On a oublié la patate, on est sous le nez. On a. Sorcier fait quoi? C'est qui m'a fait, on est là. Il fait un mauvais, mais c'est quelle mauvaise chose? On a oublié ça, on a oublié ça, on a oublié ça, et sur le mouillard. Bon, nous, on va aller. Nous, on va aller. Le vieux touche pas le problème. Il y a pas mal d'idées. Il n'a pas compris le vieux. Non, je ne vais pas entendre la tablière. La famille souffre. Lui-même, il souffre. Je veux bien croire, n'est-ce pas? Il faut qu'ensemble, on puisse faire le constat. Parce que quand tu envoies un gendarme, il y a accident. On fait constat. Nous on regarde pour voir où il y a la vérité, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je vais voir si tu vois de la même manière ce qui se passe dans la famille. Pour ça, je te demande, qu'est-ce que toi, à ton avis, sorcier est capable de faire? On a... Il connaît, mais il ne veut pas dire. Le vieux l'avait apporté, il a expliqué. Tout de suite, il a compris. Lui, il a dit. Il dit sorcier, tu. Lui, il a dit ça. Eh oui.
J'ai parlé dans mon français. Je vous ai dit ce que sorcier fait. Lui, il a dit à son frère tout à l'heure, sorcier l'a tué. Lui, il dit, ce n'est pas là, mon mère, dans la famille. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il faut lui dire, qu'est-ce que sorcier fait? Le sorcier tue. Il peut faire quoi encore? Non, faut laisser, c'est... Il faut pas sorcier. Faut laisser. Sorcier, ah, la vieille dit, mais aujourd'hui, là, tu n'as plus de paroles. Faut parler. Nous mentionner comment? Il a déjà dit tuer. Il tue les gens, c'est ça? Ah! Ensuite, on va encore. Il fait quoi? Laissez-le. J'ai lu la tête. Oh. Laisse après, laissez le coco, laisse. Laissez, je veux voir son voix de la même manière, ok? Comme ça, je sais ce que je lui ai dit tout à l'heure. Quand le sorcier qui mange. Il a bien dit ça. Bien quand tu viens, on mange. On jette pas bien. On mange vite. On fait sauce qui est nous. Ou bien sauce chimblé. Ou même pas là. Elle peut la caler pour manger. Ou tu critiques, ou tu tiras. On mange. Ou bien sauce encore. Vous connaissez encore aussi. Et bah c'est très bien. Tout ce que l'homme devait avoir, il t'a pris. Ok, très bien. Toi, en tant que papa, chef de famille, quand tu regardes ce qui se passe dans la famille, c'est pas la même chose qui se passe là? Donc ça veut dire quoi? Ah, donc vous voyez, donc on est revenu là-dessus. Donc c'est sorcier. Hmm? Okay. Toi tu as la tête. Tu veux quoi? C'est important, hein? Comment tu veux Dieu délivre? Il faut que vous parliez au Seigneur, il faut qu'il en ait tous ces... Enlevé. Qui? Non, laissez-le parler. S'il vous plaît, laissez. Nous sommes à une rencontre importante. Grand, c'est...
Parce que tu as dit quelque chose qui est important, il y a noté, il dit il y a qu'à lever. Il n'y a qu'à lever. Ça dit qu'il doit mourir. Parce qu'un éveil, ça dit qu'il n'y a qu'à mourir. Tu es sûr? Même si tu es dedans. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la parole qui condamne et libère. C'est pour ça que je vous ai parlé de la parole. Ce dont nous avons besoin ce soir, cette nuit, c'est la parole. Or, toi tu es le garant. Tu es là, quelque chose se passe et tu penses que tu n'es pas au courant. On va voir la vérité. Ok. On va voir la vérité. Il faut que les gens meurent, c'est ça? Mais ils vont parler d'abord, c'est ça? Ils n'ont qu'à parler d'abord et puis partir sous la terre. Tomber malade, fort. Mais s'il meurt, il parle avant de mourir. Il n'y a pas funérailles pour un sorcier dans la famille. C'est comme ça. Ou bien, on a le funérail. Vous parlez pas? Vous prenez n'a pas fini. Celui qui met l'argent dans la funéraire d'un sorcier, son argent va disparaître. Et lui-même, loi, sera maudit. Ce qu'il dit là, c'est pas musulman, il a fait ça hier. Parce que vous voulez mourir, comme vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous voulez mourir, il y a quand on vous funérailles. Vous n'aurez pas droit au funérailles. Voilà. Les honneurs, vous n'aurez pas droit à ça. Toi, tu as venu dire que tu as tué, toi, tu te fais funérailles. Pourquoi? Pourquoi? Cet argent, on préfère donner ça à d'autres enfants pour aller à l'école. Amen. 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 Cette heure-là, c'est trop sacré. C'est qu'on appelle là, c'est pour dire que c'est trop sacré. C'est sacré, hein? Nous, on a mis ça en prière, dans jeûne, prière pour être ici. Donc, Dieu, il est avec nous maintenant. C'est avec son accord et mon accord qu'on va faire l'action. Et si on fait l'action, ça va avoir effet. Et s'il y a effet, que sorcier parle, pour dire c'est moi qui suis la base, qui a rendu la personne folle, qui est en train de bloquer, qui a envoyé, qu'il meurt. Celui qui fait cette funéraille, il est maudit. Et puis il s'en va lui être sur sa famille. Si tu es d'accord, on va faire l'action. Envoyez-moi mon huile. Envoyez-moi l'huile d'onction. Amen. Je vous ai dit ça au départ. Avant de vous prêcher, Jésus vous aime. Je vais d'abord attaquer la sorcellerie d'abord. Quand on va finir l'action, on va vous demander d'accepter Jésus. Amen. Amen. Vous me regardez. Pourquoi je fais l'inverse? Je dois faire l'inverse. Chacun a son travail. Moi, je ne suis pas venu pour négocier un sorcier. Il faut dire au Dieu, je suis venu, comme l'a dit David, là, j'aime bien l'expression là, carnéré. Ah, j'aime bien ça. Enlever chez moi là, ça veut dire qu'il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir. Puis les bonnes personnes doivent être là pour faire avancer. C'est comme ça. Donc c'est toi qui as dit. Oh. C'est ce qu'on va faire. Si tu es dedans, en fait, qui t'en va? Quelqu'un est dedans, qui s'en va? Parce que c'est un nettoyage. Ou bien, les mauvais grains là, il doit partir. Je ne suis pas en train de t'accuser. Hein. On est d'accord avec ça? Hein? Sinon, je connais tout le monde. Mais je veux que ce qui est fait, ça va avoir effet. Et puis, on va tirer sorcier. Et puis, on ne fait pas ses funérailles. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, oui. Il faut lui dire, c'est une sainte. C'est l'huile d'olive, on a prié, c'est devenu une sainte.
il va parler. Et puis il va parler à la terre. La terre sera témoin. C'est très important. Dieu, quand il voulait parler à Israël, il dit, je prends témoin le ciel et la terre. Je prends témoin le ciel et la terre. Nous, on utilise l'huile sainte dans la Bible. Dans l'huile, quand Élisée, ils ont invité Élisée, il n'est pas allé prier. Il a pris un plateau neuf plus le sel, il allait parler. C'est tout. Puis le problème s'arrêtait. Moi, j'ai parlé, on m'a parlé. Maintenant, les choses vont commencer à aller. Les grosses têtes, les sorciers vont tomber. C'est tout. Ce n'est pas une question de lieu feu, brûle-lui là, brûle-lui là. C'est l'action qu'on va poser. Ils vont tomber et puis c'est fini. Si tu as parlé, ah, tu étais dedans, puis le prophète est venu, tu n'as pas parlé. Bon, adieu. Il faut que ton âme parte en enfer. Quand quelqu'un meurt sorcier, il n'y a plus paix à son âme. Ton âme n'aura pas de paix. Non. Ton âme va dans le feu. On prend une bâche, si tu as la chance, sinon c'est les feuilles de banane. Pour tenter. Moi-même, là, je vais être rapide maintenant ça. Celui qui veut interpréter ça comme il veut, je m'en moque, je m'en fous de ça. On est d'accord? Non, demande. Donne-lui la parole, n'a qu'à demander. Il faut lire, c'est ma manière de travailler. On a son monnaie. Si j'ai fait, ça va s'arrêter. Tous ces problèmes-là vont s'arrêter. Ah, tu pensais qu'il allait venir, mais le feu, le feu, le feu. Non! Brice, 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 Satan, c'est qui sort? Non! C'est ce qui va aller sous la terre. Moi, c'est pour amener les ce qui vient sous la terre. Je ne suis pas venu pour dire sortez, sortez, sortez. On a trop mis le feu sur eux. Et si dans la maison, tout le monde est sorcier. On n'a qu'à les laisser. Pour lui demander. Toi-même tu dis sorcier. Oh, écoutez. Il dit Dieu, tu passes sorcier. Non, il dit. Hein? Dieu n'a pas tué. Bon, lui a névé sorcier. On a qu'à les annéver là. Ça veut dire quoi? Comment il interprète ça? On a qu'à les annéver. Hein? Il s'oppose à ça. Pourquoi? D'ici là, tout le monde est sorcier. C'est que toute la famille va disparaître. Mais c'est normal. Donc, il demande à ce que vous priez. De prier, pas de tuer. Bon. Tuer, c'est trop fort. Tu vois, non? Parce que l'expression, je l'ai bien expliqué.
Parce qu'on dit de le tuer, c'est comme si moi, il prend ma chèche en train de la battre. J'ai tout à l'heure dit, les mauvais grains là, il faut qu'ils soient éliminés. Il a failli la mort de Hérode pour que Jésus rentre à Jérusalem. C'est dans la Bible. C'est quand Hérode est mort que Jésus est parti à Jérusalem. C'est quand Saül est mort que David a possédé le trône d'Israël. Il y a des gens, leur mort est salutaire. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est ce qu'ils ont fait qui va les tuer. C'est pas moi qui les tue. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas moi qui les tue. C'est pas moi qui apprends ma chèvre pour les tuer. C'est ce qu'ils ont fait là qui va les emporter. Donc je ne viens pas comme une machette. C'est un acte qu'on va poser. Quand quelqu'un est dedans, il quitte la famille. Le Dieu, il doit quitter la famille. Les gens doivent se marier. Les gens doivent être à l'aise. C'est pas à cause de lui seul, les gens vont mourir. S'il aime la mort, il n'a qu'à prendre la mort. Faut lui dire ça. Est-ce que lui trouve normal qu'une personne sorcière tue et puis les gens pleurent? Et lui, elle est là. Elle n'est pas inquiétée. Il trouve ça normal. S'il vous plaît. Donc, à casser nos pas, ce qui nous anime, c'est que cela n'a pas beaucoup de monde. Parce que vous voyez les liens. Vous voyez les liens. Ma haine de vous savez, si les liens, il y a des liens, il y a des liens. Donc, on a ce qui nous anime. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord, on a mes moyens. Merci vos pères. Celui qui a fait le mal, c'est celui qui a fait le mal. Donc il veut que vous priez pour que celui qui a fait, qui a posé l'acte mauvais, que ce soit lui qui parte. Mais c'est lui qui est parti. C'est lui. Vous n'avez pas compris que c'était comme ça. Même le dragon, si tu as d'ababamé, tu t'en vas. Et si tu meurs, je vais parler. Avant de mourir, tu vas parler. Si tu as parlé, tu as confessé, il n'y a pas de funérailles pour toi. Quelqu'un qui va se lever pour aller faire tes funérailles, il est maudit. Parole du prophète. Vous avez bien saisi ce que j'ai dit. À
Ils sont d'accord que c'est lui-même le sorcier qui ne fasse pas même 10 jours. Ok. Même, il dit même les 10 jours là. C'est non, important. Tu vas souffrir d'abord. On arrive d'abord, après bien. Tu vas souffrir, chier sur toi d'abord. Les tubes rapides d'habile là, tu sens pas? Tu vas sentir ça d'abord. Ouais. Tu as parlé, chez moi il y a Dieu lui là, puis tu es là. Tu chies sur toi. Astico sort, puis tout le monde devait te regarder. Puis tu meurs appétit. C'est cette malédiction là qui va s'abattre le sorcier. Tu es d'accord? Oui. Mais c'est pas si toi tu es d'accord ici, parce que c'est pas où tu t'en vas la nuit. Et lui est d'accord. Ok, on va commencer. On va pas aller très loin. Ok, ouvre là. Vous savez très bien, vous connaissez la tradition. C'est important, c'est pas démoniaque. Je sais pas comment vous appelez bénédiction dans vos langues. Merci, c'est la même chose qu'on me dit. Ça dit verser l'eau. Ouais, sans me traduire en français. Ouais, verser l'eau. Embêter, c'est ce que ça veut dire. Ok. Donc, c'est cette action-là. Nous sommes à la source, comme a fait Élisée. Il n'y a rien de fétichiste dedans. Il n'y a rien de démoniaque. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Voilà. Peut-être que vous ne savez pas, Jésus, à un moment donné de son ministère, il va prendre la boue, prendre la salive, la boue, pour guérir un malade. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Il n'y a rien de démoniaque. C'est l'onction. Or, tu as la tête. Ce qu'un homme aura semé, la parole est une semence, il le moissonnera. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la parole. Ce dont le diable a besoin, ce soir, c'est la parole. Or, c'est la parole qui va nous départager ce soir. On dit, Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux. Il a parlé. On dit, cette parole s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Or, nous ne voulons plus qu'il y ait de la sorcellerie en tant que serviteur de Dieu. En qualité de prophète de l'Éternel et le maréchal de la brigade anti-sorcier, il faut que les sorciers meurent en cascade. Même si tu es fétiche, tu es dans le ventre des mamans, que tu es sorcier, tu ne sors plus. Ils vont aller te déposer dans le WC. Tu ne sors plus. Parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Voilà, à partir d'aujourd'hui, la sorcellerie va partir. Ok? On va le lever, se tenir debout. Oui, il va parler. Il va dire, si moi-même je suis dedans, je pose un acte. Ça n'a qu'à m'emporter. Mais je suis chef de famille. S'il y a quelqu'un dedans, parce qu'on est fatigué de souffrir, il faut que ça les emporte. Cette formule va rester pendant 6 mois. Ça ne va pas dépasser. Pendant les 6 mois, parce qu'il faut que les gens souffrent. Pendant les 6 mois, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Pendant les 6 mois, c'est un ratissage de la famille. Vous lui dites ça? Qui peut pour nous dire? Qui peut pour nous dire? Grévis, les camions, les gens. Il serait un écrit. Sinon, je sais où partir. Moi, je connais quand je vais où, regarde là. Je sais. Mais je ne peux pas parler. C'est ça là qui va parler.
Je connais. Je connais qui est dragon ici. Je sais qui. Je sais. Mais ça là, comme vous avez parlé, je vais revenir à quoi vous regardez. Et puis il dit, ça va. Faut aller saluer ton papa Satan là-bas. Rien à voir avec juré, non. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Ça veut dire quoi? En venant ici, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette action. Amen. Amen. J'ai eu le temps d'expliquer à la famille et c'est avec l'accord de la famille qu'on a posé l'acte. Amen. Il y a certains choses peut-être que d'autres ne comprennent pas. Nous ne sommes pas à l'heure de la prière. Non, c'est de poser une action qui aura des effets et qui va mettre fin à une situation. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure en me basant sur l'histoire de Élisée à Jéricho. Et quand Élisée, ils ont fait cas du problème du village à Élisée, Élisée n'a pas réuni la famille ou bien le village pour aller prier sur l'eau ou bien pour chasser l'esprit des eaux. Non. Élisée allait poser un acte. Il dit, donnez-moi un plateau neuf. Vous lisez, vous allez lire le passage, si vous voulez, après, dans 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Il dit, donnez-moi un plateau neuf. Mais c'est Dieu du ciel. Il part, il utilise la parole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce dont on a besoin, c'est la parole. Nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 1. Hein? À partir du verset 1 à 3, par exemple. Écoutez tellement la parole de Dieu. C'est très dangereux. Et en même temps efficace. Ça va permettre que la vérité éclate au grand jour. Amen. Alléluia. Ça va faire éclater la vérité au grand jour. Parce qu'on était d'accord. On est d'accord. Or, la Bible dit que si deux d'entre vous se mettent d'accord et demandent une chose, elle leur sera accordée. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que j'ai pris le temps de bien expliquer. Et je pense que les parents ont bien compris. Ce n'est pas une question de vous avoir envoyé quelqu'un pour m'accuser. Oh, ils savent qu'ils sont dedans. Ce n'est pas une question de dire non. Mais l'acte que nous allons poser, qu'en train de poser, aura forcément des effets. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. C'est une action qui est posée. Amen. Amen. Et ça aura des effets. On est d'accord sur ça parce qu'on invoque le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, pour qu'il règle le problème. Ça n'a rien à voir du mysticisme. Ça n'a rien à voir du fétichisme. Mais c'est une action prophétique. Quand Élisée prenait du sel pour aller jeter dans l'eau, ce n'est pas du fétichisme qu'il tentait de faire. Il est tenté de poser une action prophétique. Il n'était pas en train de faire du fétichisme. Quand il prenait du sel pour aller jeter, c'est une action prophétique. Il a pris du sel. Il allait jeter dans l'eau. Allons-y. L'évangile de... Toute chose commence par la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très bien. Amen. Et c'est parce qu'on a compris la même manière. On dit, ce dont on a besoin ce soir, c'est une parole qui mettra fin au mal dans la famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est une action. J'ai bien expliqué l'action. C'est différent d'une prière. On a prié. Ça peut mettre du temps. Mais l'action dit, Seigneur, voici le signe. Nous nous basons sur ça pour te dire, voici ce que tu dois maintenant faire. Nous sommes d'accord et agis. Donc la parole, vous voyez, ça a une force, ça a une puissance. Et rien ne peut se faire sans la parole. Donc on est d'accord. Et on s'est mis d'accord pour poser une action. Et ça aura des effets. Effectivement, quand la sorcellerie va reculer dans la famille, ça va établir la prospérité. Parce que d'abord, quand Dieu va commencer à agir, il va commencer à balayer les mauvais grains. Sur ça, Esaïe dit, 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il vient, il écrase nos ennemis. Que vous voulez ou pas, l'ennemi doit être écrasé. Si l'ennemi n'est pas écrasé, il continuera de vous poursuivre. Sur cela que le frère, le verset dont je dois parler, il a abordé ça, que le frère... Que tu sois béni. Il a touché un verset. C'est pas ça qu'il devait clôturer tout à l'heure. Esaïe 30, la partie du verset 1. C'est ce qui... Oui, mais on va lire d'abord 30.
Allons-y, 30. Si vous avez la parole, allons-y. Ça dit, l'acte que vous venez de poser devient une alliance. Vous comprenez? Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Quand Dieu veut poser un acte, il va tisser une alliance avec cette personne. C'est pour ça que quand Dieu voulait bénir Abraham, il y avait une alliance. C'était le sacrifice d'Isaac. C'est à partir du sacrifice d'Isaac que le Seigneur a juré d'honorer sa parole. Vous comprenez? Donc, quelle est l'action qui a été posée dans cette famille? C'est à partir de l'action posée que l'action de Dieu qui est là-haut se met en action. Or, on a prié, mais il y a un acte dont Dieu a besoin. C'est une action. C'est pour ça que quand Dieu voulait faire sortir le peuple de l'Égypte, il dit, prenez le sang, tuez les agneaux, mettez ce sang sur les linteaux des portes. Parce que cette nuit, l'Égypte sera visitée par un ange qu'on appelle l'ange de la mort. Et tous ceux qui n'avaient pas ce signe étaient frappés par l'ange de la mort. Vous comprenez? Donc Dieu, or, l'alliance qui existe entre nous et Dieu, c'est le sang de Jésus. Donc il y a toujours une action qui nous lie à Dieu. Or, nous sommes tous d'accord tout à l'heure qu'on a tous prié, n'est-ce pas? On a pleuré. On a fait des jeûnes. Il faut changer de méthode. Amen. Il faut changer de méthode. Il faut poser une action. Donc on dit à Dieu, voici ce que nous demandons de toi. Ça, c'est encore plus rapide. Voici ce que nous demandons de toi. Et à partir d'aujourd'hui. Or, ce qui est intéressant, nous sommes aujourd'hui à la source. C'est ici. Si tout doit s'arranger, c'est ici. C'est parce qu'ici est gâté que tout se gâte autour de vous. Quand la maison, quand vous voyez un immeuble en train de s'écrouler, c'est que le fondement n'a pas été solide. C'est que le sous-bâtiment, c'est ça qui a causé l'écroulement de l'immeuble. C'est tout. Si ici, il y a la présence de la sorcellerie, ça va agir. Si la famille, ne soyez pas surpris. Ça va agir. Or, l'action que Dieu va commencer à mener, c'est la destruction d'abord. C'est pour ça que l'ange de mort est passé d'abord à l'Égypte, a commencé à tuer les premiers-nés. Ainsi. Et Dieu lui-même, c'est plus le soin d'enduire le cœur de Pharaon et de le tuer. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, il y a des moments où Dieu décide de châtier les gens. Lui, c'est comme ça qu'il fait. Il y a des moments où Dieu, il ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que le châtiment va amener beaucoup de personnes à la conversion. Ça va amener les gens à comprendre qu'on ne fait pas le mal. Il ne faudrait plus faire le mal. Amen. C'est pour ça que cette action, elle est même importante pour la famille. Elle était inspirée pour, n'est-ce pas, mettre fin à beaucoup de choses. Éventuellement, celui qui va se retrouver dans la sorcellerie, il sera châtié par Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Or, quand nous lisons un peu dans, je crois, Marc, c'est ça, 4, verset 14, la parole est une sémence. La parole, nous voyons là, c'est une sémence. Nous avons sémé la parole. Elle va germer et aura des fruits. Allons-y. Marc 4, le verset. Invoqué. Il est descendu. Il est en train d'assister à tout ce que nous sommes en train de faire. Or, nous sommes basés sur le principe de la parole. Or, Dieu au commencement est la parole. Et la parole est Dieu. Et rien ne peut se faire sans la parole. Donc, c'est la base de la parole que nous avons posé une action. Effectivement, ce que nous avons dit, déclaré, c'est ce qui va arriver. Allons-y. Marc, chapitre 4, le verset 7, la parole. On dit, le semeur sème la... On dit quoi? La parole. La parole. Ça veut dire que la parole est une sémence. Donc, nous avons sémé une parole. La parole sémée désormais en terre ici, qui est la source de cette famille, c'est que désormais, une personne qui va vouloir pratiquer, ou du moins qui est dans la sorcellerie, doit partir. Amen. C'est tout. Donc c'est cette parole-là qui va demeurer. Amen. C'est pour cela que la bonne parole, la mauvaise parole, ce qu'on appelle malédiction,
quand on la prononce, elle a des effets. La bonne parole ici, quand on la prononce, elle a des effets. Donc la parole, on ne joue pas avec ça. Et heureusement qu'on a commencé par ceux qui sont garants, qui sont la tête. Donc ça dit eux, qui sont censés conduire la destinée de la famille, c'est eux. On les a mis, on a confronté à Dieu. Et nous avons tous invoqué l'Éternel. Et vous allez voir que ça aura des effets. Nous, on a déjà une expérience dedans. Je suis allé dans un village haïtien. J'ai vu une dame qui était depuis la France, était malade. C'est la belle-mère d'un footballeur. Qui était malade, elle était... On l'a mis dans une salle, elle attendait la mort. Et ses enfants sont venus me voir. Ils sont allés partout. Ils sont venus me voir. Ils étaient tous convaincus que c'était la sorcellerie. Nous avons même la vidéo de cette dame. Nous avons la vidéo du témoignage de cette dame. Ok. Ils sont venus me voir. Ouais. C'est Stéphane Sessegnon. Sa belle-mère. Sa femme s'appelle Marie-Claude. C'est elle qui m'est venue me voir Divo. Elle est venue avec valise d'argent. Elle dit, j'ai entendu parler de toi. On n'a plus d'autre solution. On pense que c'est toi qui peux l'aider. Je lui ai dit non, on ne peut pas corrompre Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas donner la vie à ta maman. Elle est où? On dit aux États-Unis, en France. J'ai dit, montrez-moi votre maman. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut voir quelqu'un dans sa chambre aux États-Unis, en France, tout ça. Donc on crée le Skype. Et donc je vois la femme, elle est morte. C'est-à-dire elle a porté le masque de la mort. Quand Blanc te dit c'est la mort, il faut croire ça. Hein? Ben, ces Blancs, ils ont tout, ils font la prise de sang, ils savent qui doit mourir, qui ne doit pas. Ils savent, hein? Non, les Blancs, ils savent. Ils peuvent te dire à tel jour, à tel heure, son nom, il va rendre l'âme. Ils savent. Donc, elle attendait là-bas. Effectivement, quand je l'ai vue, non, elle avait déjà le masque. C'est-à-dire, à peine elle parlait. Ils ont tout fait. Or, elle était venue à un funérail de son frère, qui est l'oncle de la dame, la fille en question. Et c'est là-bas, elle est partie avec la maladie. Son frère est mort mystiquement. Et l'ont foudroyé au cours des funérailles. Donc, elle est partie avec ça. Et c'est comme ça qu'elle est en train de mourir. Et donc, on est resté en prière. Moi, je leur ai parlé de Jésus. Et parce qu'ils avaient une autre manière de voir les choses. Voilà, donc j'ai parlé de Jésus et puis on est resté en prière. Deux jours après, j'ai demandé qu'on relance le Skype. Je vais voir la maman parce que j'étais convaincu que Dieu pouvait faire quelque chose. Donc je leur ai dit, moi, j'ai ma foi. Voilà, c'est pas une question de dire, non, on va mettre l'argent. Non, on n'achète pas. On ne peut pas. J'étais convaincu par le Saint-Esprit. Et j'ai regardé la dame, j'ai dit, je suis convaincu. Moi, ma foi me dit, tu vas vivre. Je suis convaincu. Donc j'ai prié pour elle à distance. J'ai levé ma main. J'ai prié pour elle. J'ai dit, cherchez-moi un pot de yaourt. Elle ne mangeait pas. Elle dit, elle ne peut pas manger. J'ai dit, si, tu vas manger. Elle a commencé à boire. Un pot de yaourt. Le lendemain, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimes manger? Elle dit, foufou. J'ai dit, t'es comme moi, hein? Et moi, je suis en Europe. Moi, je mange les trucs africains. J'ai dit, allez me faire le foufou. Ils ont fait le foufou. Ils ont fait foufou. Et puis, elle a mangé. Quand elle a mangé, elle a repris ses forces. Donc, c'était déjà un signe. Une semaine après, elle s'est mise sur pied. Elle avait les plaies dans la boue, ça a commencé à guérir. Et tout est parti. Elle avait ceinture, zona, partout. Et ça a commencé à guérir. Quand l'étape est passée, je lui ai dit, c'est ton papa qui te tue. Moi, il ne cache pas pour moi. C'est parce que je ne suis pas venu pour faire ça. Sinon, je connais ceux qui sont là-bas de vos malheurs. Ils sont là. C'est pas caché. Ils sont là. Ce contrat là, ils sont là. Ils sont là, c'est pas quelque chose. Moi, il n'y a pas peur de quelqu'un ici. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il te regarde droit dans les yeux, il dit, c'est toi. Mais ce qu'on a fait là, tu vas mourir. Et puis on va t'enterrer. Donc j'ai dit, c'est ton père. Elle est bêtée d'ici, vous connaissez, nous on fait de gourquet là. Avion dans ça pour venir. Ils vont aller faire, j'aurais dit doucement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je vais arriver là-bas, puis je lui dis ça. Et ils ne croyaient pas. J'ai dit, oui. Tout le monde envoyait voiture. Il dit, non, on ne fait pas les trucs comme ça. On est chrétien, on va doucement. Non seulement il est sorti, mais il faut qu'on le sauve. On va essayer de lui tendre la main. S'il ne veut pas, on va laisser le problème. Mais tout compte fait, il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Parce que les gens, par moment, les gens ont besoin de connaître la vérité.
Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Simplement connaître la vérité libère psychologiquement. Si on sait d'où vient le problème, on sait comment orienter nos prières. C'est ce qu'il dit aux gens. Pourquoi vous avez peur qu'on dise, c'est toi qui es sorcier? Vous avez peur d'assumer le mal que vous faites? Qui est sorcier? C'était le débat tout à l'heure. J'ai regardé cette mise en scène-là. J'ai regardé, je ne parlais pas. Parce que moi, l'action que je veux, c'est de vous-même, vous allez assister à ce que Dieu va faire dans cette famille. Les sorciers, leur problème, comme eux tuent, et puis Dieu ne fait rien, donc eux s'amusent. Jurez là, c'est la spécialité du sorcier. Quand tu prends le sorcier, tout suivra jurer au nom de Dieu. Parce qu'il n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Donc ils aiment bien ça. Donc il faut les envoyer sur ce terrain-là. Si c'est sur ce terrain-là, ils aiment bien ça. Or, tu es en train de creuser leur tombe. Ah oui, c'est pour ça que je les envoie sur ce terrain. Voilà. Là, il y a moins de discussions. Pour dire, vous allez envoyer quelqu'un, puis ça va envoyer des discussions après, bavardage. Toi-même, tu as parlé. Ce que tu as dit là, c'est ce qui t'a rattrapé. Combien? Amen. Donc, je prends mon huile. Vous savez comment il appelle l'huile là? Il appelle lance-roquette. Lance-roquette. Donc, nous tous ici, là, nous sommes des brigadiers spirituels. C'est la brigade anti-sorcier. On part à Issia. Je rencontre le vieux. Il était déjà averti que je devais arriver dans la cour. Donc, il était sur ses gardes. Il a commencé. Je suis venu parler à lui tout gentiment, poliment. J'ai demandé au vieux, j'ai posé la même question. Est-ce que tu sais que la sorcellerie existe? Lui, au moins, il a dit oui, il sait. Tu sais que les gens meurent dans la famille? Il dit oui. Qui l'étudie, c'est les sorciers. Mais c'est pas moi, hein. Il dit, c'est pas moi. Il dit, ok, c'est intéressant, comme c'est pas toi, on va connaître qui tue les gens de la famille. Ce que je vous dis là, on a la vidéo. C'est pas des choses que j'ai inventées, c'est la vidéo sur le YouTube, ma chaîne YouTube. On prend la bouteille, la même chose qu'on a fait. On leur a dit, on vous dort. Armée, c'est deux, trois mois. On dit d'abord, on n'a pas dit mort comme ici on est en train de faire. On a parlé de folie. Moi, je suis rentré sur le terrain. Là. Chaque famille a une action. Voilà, c'est ça qu'on appelle action prophétique. Ce qu'il est fait ici, c'est pas la même chose que je répète ailleurs. Donc, il prend lui, il dit, si c'est moi-même qui suis à la base, d'ici trois mois, il y a quelqu'un de fou. Il a versé. Il a nommé sa femme, il fait aussi. Sa femme a fait. Parce que sa femme et lui sont pas fait, elle a fait. Lui-même, c'est lui qui dirigeait maintenant l'opération. Je le regardais. Ils sont trop russés. Ok. Ils ont fini. Comme les gens n'ont rien vu sur le champ, ça n'a rien dit aux gens. Or, c'est ça, Dieu. Un mois, deux mois, le troisième mois juste, il pique une crise. Il a commencé 0,5. Il fuit de sa maison. On le retrouve à Bobo Baoulé. Est-ce que vous connaissez un peu la distance? Fait engrais là-bas. Là. Oui. Et il dit, il me cherche. Il dit, j'ai le prophète qui veut parler. Et comment ils l'ont retrouvé? Comme la famille est un peu connue, ils ont vécu aux 0,5, c'est des gens qui ont fait Abidjan. C'est comme ça, un passant l'a vu. Nuit, il marchait, il a uriné sur lui. Il n'a pas de. C'est comme ça, ils ont mis la main sur lui, ils ont appelé, ils l'ont mis dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, cherche le monsieur qui est venu haïtien là. Il le cherche. Il dit, mais pourquoi? Il dit, quand je tourne comme ça, j'entends, quelque chose me parle ici. Les gens ont compris. Qui veut parler? On dit, tu as fait quoi? Il dit, c'est moi qui suis en train de tuer ma fille. Mais tu avais nié la dernière fois. C'est qui je suis en train de vous dire, la vidéo est là. Donc on appelle mon chef de communication pour dire, ah, le vieux, la sentence est tombée sur le vieux a commencé à confesser. Oh, moi j'avais déjà classé le dossier. J'ai dit non, c'est un dossier, parce que les gens ont dit, ah, le prophète est venu, on n'a rien vu. Donc j'ai dit non, c'est un dossier propre. On dit, si le vieux ne veut que tu vois,
tout, il était déjà enflé. Hein. C'est plus, il ne peut pas. À un moment donné, il n'arrivait plus à uriner. Voilà. Donc moi, pour m'imprégner de la situation, j'ai demandé qu'il vienne à Divo. Parce que je lui ai même dit, quand ça va te prendre, tu vas me trouver à Divo. Ils l'ont mis dans la voiture. Et puis je l'ai vu, on s'est vu nez à nez. Puis je lui ai dit, tu me reconnais? Il dit oui. Ça cause elle est venue. Tu m'as vu où la première fois? Il dit Aïssia. J'ai dit, qu'est-ce que toi et moi on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit oui, tu m'as dit le verset huile, le verset huile. Je lui ai demandé, tu es sorcier ou pas? Il dit oui, je suis sorcier. Il dit, mais pourquoi la dernière fois, quand verset huile, tu n'as pas dit que tu es sorcier? Il dit non, c'est comme ça les sorciers. Si je disais ça, peut-être que mes enfants se l'ont rattrapé. Malheureusement, il est mort aujourd'hui. Pour vous dire, j'ai des amis. Heureusement, je ne dis pas malheureusement. Moi, un sorcier meurt, c'est heureux pour la famille. Parce qu'il y a la mort des gens, c'est une délivrance. La délivrance, ce n'est pas vous qui décidez du sort de votre délivrance. De ce que Dieu, quand Dieu devait délivrer Israël, il a fait mourir Pharaon de la mer. C'est tout. Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour le tuer. Lui-même l'a dit, il a décidé d'endurcir son cœur. Il ne va pas se convertir, mais c'est pour le tuer. Donc, il y a les gens que Dieu endurcit expressement. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des, oh, un cœur repentant vient de Dieu. Quand Dieu décide de te sauver, il va te donner la capacité de te repentir, de reconnaître et d'avouer. Or, si tu n'arrives pas à ce stade, c'est que la mort n'est pas loin de toi. Amen. Donc, ce que nous sommes venus faire, ça n'a rien à voir de décisif. Mais ce qu'on appelle une action prophétique. Et je vous ai dit que c'est la parole. Et ça aura beaucoup d'effet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander maintenant au chef de famille. On a passé l'étape d'action. Maintenant, c'est la parole. Il faut que cette famille soit prospère. Il faut que la santé revienne. Il faut que la paix revienne. Il faut que la prospérité revienne. Il faut que les gens soient bénis et tu verses plus. Pour dire à partir d'aujourd'hui, ces choses. Mais, tu reviens encore sur la dernière parole, les mauvaises personnes, on ne doit plus les voir. Point. On a. Gazécile à nous parler. Et on a. Je vois, nous avons dit au coulant. On est. On a la coupe de cours. Mais, Jésus, on est à Néné. Sréa. Goua, blala, goua, merci. Jésus, on est à Néné. Vous parlez, c'est la année. Jésus, on est un moi. Et quand c'est beau le pénis, il était là pour le gros. Et quand il est pour parler, il n'est pas. N'y a pas de ni un. Waouh, c'est la année. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? I'm going to go to the house. We are a beer table. Geno, Ulam, and I go to the alley. Sit down, I have a woman. Sit down, I have a couple. Oh, Beck, I call a woman, go, dear, proof, dear, dear. Tago, you said, I go. Tago, you said, I go. Dago wole usera kakule. Jeno isera ne. Jozi zamne pupu isera ne. Kule kabiwa ne kubiere tebo. Sera ne. Wakala umate ne. Wanne nukwe ibra boja ne. Nyakwa bradiye ne. Et Kabala ne te y a commenté. C'est l'année, année de Kakanyo, de Didiane,
Amen. Nous allons nous tenir debout. Levez les pieds, s'asseoir, il est parti. On se tient debout.